Matt et aujourd'hui c'est nous, on se retrouve pour un haul. J'ai fait ces achats avant de savoir que je devais déménager bien plus tôt que prévu, hein, pour expliquer un petit peu. J'ai des choses qui datent d'il y a clairement 2 mois. Donc il y a des vieux trucs, donc je vais déjà vous montrer les vieux trucs. Et après on passera au truc un peu plus récent que vous pourrez sur d'autres trouver un peu partout. Alors en premier j'avais acheté ça chez Emma. Quand j'avais dû faire la vidéo DIY de la rentrée, je suis passée à Emma chercher des carnets pas chers et un peu moches. Et j'étais tombée sur des petits clips comme ça avec les animaux de la forêt. Alors est-ce que je vais m'en servir? Je pense que la réponse est proche et voire à 100% sûre, non. Mais j'ai trouvé ça mignon. Et après je me dis c'est des petits clips, alors peut-être m'en servir, tu sais, pour refermer les emballages genre de pâtes, de riz, des trucs comme ça. Les petits clips, voilà, avec des animaux comme ça dans ma cuisine, ce sera festif. Wouh! Maintenant on passe à action. Alors ça, c'est un arc-en-ciel où tu peux mettre du scotch, voilà. Je suis pas sûre, ouais non, il n'y a pas de scotch, mais non, with rainbow tapes, ok, donc il y a... L'arc-en-ciel c'est un masking tape. Moi je m'en sers juste parce que je fais partie de ces gens qui utilisent le scotch, qui une fois sur deux oublient de rabattre un petit bout pour savoir la fin du scotch. Et du coup pendant 40 ans quand je dois m'en servir du scotch, je suis en train de gratter pour savoir où se trouve le scotch. Du coup je me suis acheté ça, je me suis dit bon ça y est, prends ta vie d'adulte en main et achète un truc utile. Voilà, à action. Vous allez voir que le reste est clairement moins utile. J'ai aussi pris cette planche de tampon spéciale abeille. Il me fait le focus sur moi. Je sais que je suis belle, mais fier. Voilà, avec des petites abeilles. Il y a un peu de tout, des ruches, trucs comme ça. Je trouvais ça mignon. J'ai pris, parce que vous savez de toute façon qu'avec Action, je suis faible. J'en ai profité aussi. J'ai pris des stickers, voilà. Pareil, sur du... Le thème, je sais pas trop. Si vous savez, c'est des stickers, c'est un petit peu épais. Du coup, je sais pas si je vais m'en servir trop pour mon bijou, parce que sinon ça va faire bizarre sur les pages. Mais c'était mignonne et elle m'appelait. Et moi, je suis genre, ah, je vais pas vous laisser. Du coup, je les ai pris. Alors, ça, je sais même pas pourquoi je les ai pris. Je crois que je trouvais ça mignon. Maintenant, je me dis, qu'est-ce que tu veux en foutre, Tiffen? Je ne sais pas. Mais en même temps, Action, c'est pas cher. Du coup, t'as tendance à craquer pour des trucs, tu sais pas quoi. Tu sais pas quoi. Ce que tu vas en foutre, c'est compliqué la vie. Donc c'est des stickers en mode vintage, vous savez, les espèces de... Ce qu'on appelle des camés, hein, ce n'est pas des drogués. C'est, vous savez, des colliers vieux en fait, très rétro, qui sont surtout utilisés dans les styles un peu gothiques, steampunk, etc. Et donc ça, ça s'appelle des camés. Et donc là, c'est des stickers que tu peux coller. Je me dis sur des... Parce que là, du coup, j'ai un peu plus de temps pour moi. Je me prends un peu plus de temps, du coup, je vais réellement mettre un peu sérieusement à la papeterie, ce genre de choses. Du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa pour un style un peu particulier. Et enfin je suis dégoûtée, je l'avais rangé et je sais pas trop où je l'ai rangé avant qu'il soit bien rangé, mais mal rangé parce que j'ai des traces de gras. C'est un carnet donuts, il est comme ça. Et ce que j'aime bien c'est que cela c'est aimanté, donc si tu fais ça, voilà, ça se referme tout seul. Du doré en veux-tu, en voilà. Et après c'est un simple carnet ligné, mais je le trouvais vraiment beau. En plus regardez, une petite citation et tout. Enfin il était franchement beau. Je le trouvais classe. Et comme c'était Action, c'était pas très très cher, donc j'en ai profité. On n'a jamais assez de carnet dans la vie. Cela pourrait être ma devise, hein, n'est-ce pas? Et du coup ben, je l'ai pris. Donc ça c'est des achats qui datent d'il y a 2 août en fait, tout simplement, hein. Et les achats que je vais vous montrer là, ça date... Non, il me manque un truc qui date de août. Bichette, vous les avez déjà vus. Normalement, si vous regardez mes vidéos bijoux, c'est des crayons spécial calligraphie. Voilà, des crayons, des stylos spécial calligraphie noirs. On a une mine de 3,5 et 5. Et je m'en sers voilà, pour les titres. Parce que moi, la calligraphie, c'est pas trop mon dada, c'est pas trop ma cam. Mais c'est vrai qu'ils sont bien, ils sont pratiques quand même. Même si vous voulez faire de la pseudo-calligraphie, tu sais, tu fermes un peu les yeux, t'as l'impression que ça passe. Et ben, ils vont très très bien. Et comme ils sont à Action, ils sont pas très très chers pour ce que c'est. Donc là, on va passer aux achats du 8. Voilà, du début septembre. Je me suis acheté ça, c'est une corbeille. On en voit partout sur les sites de décoration. Et c'est cher un petit peu, enfin je trouvais ça un peu cher pour ce que c'était. Quand j'étais à Montpellier, on avait fait Ikea avec ma maman. On en avait vu un, je lui avais dit ah, ça j'aimerais bien et tout, pour mettre dans le salon. On avait regardé, on était passé à autre chose. Et je crois qu'il était à 30 ou 25 euros.
Et je suis revenue dans ma belle contrée du Nord. Et à un moment, elle m'envoie un SMS. Hey, tu sais, les petites panières, t'aimes bien et tout. Il y en a un Jiffy. Regarde. Et dans la zone commerciale, en fait, où je vais toujours, où il y a mon Action, mon Stokomanie, il y a un Jiffy qui vient d'ouvrir et il venait juste d'ouvrir. C'était vraiment, ouais, il l'avait ouvert le mercredi, je suis allée samedi. Je vous dis même pas le monde comment c'était blindé. Mais il y avait ça et donc ils étaient à 15€. Alors après au-dessus, c'est pas méga pratique, c'est-à-dire qu'ils rentrent pas super bien dedans. Enfin, c'est un peu fait en Chine, hein, voilà, la base mito. Mais faut bien pousser, faut bien appuyer. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres. Moi j'ai pris or, il y a bleu et rose je crois. Il y avait noir, mais noir il était déjà plus là. Et c'est vrai qu'il y avait certains bleus et roses, en fait le couvercle avait été tellement mal fait que tu pouvais pas réellement bien le poser dessus. Ce qui était quand même dommage. Donc ça moi je m'en sers, je fous mes plaids et couettes que je mets dans mes canapés. Tu vois que je suis dans mon canapé comme ça. Et du coup je range ça pour faire genre style, regardez ma maison elle est rangée. Et du coup bah dès que j'ai plus d'invités, hop, tu sors le plaid, tu mets ça sur le canapé. Et c'est la vie. Du coup voilà à quoi il me sert. Bonjour. Voilà. Il y a des trucs en verre. Je vais pas vous le cacher. Ce sac a beaucoup voyagé. Je te mets là que rien n'est cassé. On va commencer par les trucs pas super importants. Je me suis pris des espèces de tupperware qui vont au micro-ondes. Voilà. Est-ce que vous êtes heureux de savoir? Je suis. Moi aussi. Je suis très heureuse de vous partager ça. Pareil, j'ai pris des espèces de petites baguettes. Alors ça, ils appellent ça pour la salade. Moi, je vais m'en servir parce que je fais ce qu'on appelle du kéfir. Alors ça, c'est un truc de ma daronne, ma mère. Elle est hyper bio, truc comme ça. Et elle m'a initié à ce truc. Et du coup, à un moment, il faut que tu tournes. Et du coup, il faut pas que tu utilises d'aluminium parce que tu utilises des espèces de trucs ronds qui sont des espèces de bactéries. Bref, tout un pataquès. Moi, je suis ce que ma maman elle dit parce que c'est ma maman, donc elle a forcément raison. Et elle m'a dit pas d'aluminium parce que ça tue les espèces de bactéries qui te sert dans ta tambouille. Du coup j'en ai pris en bois. Voilà, maman, tout est de ta faute, hein, sache-le. Donc ça, j'ai pris ça à Jiffy. J'ai pris ça, c'est un tapis de cuisson parce que j'en avais déjà acheté à Action. Et Chris me l'a flingué, voilà, il est dégueulasse, il est tout moche. Et là c'est vraiment cuisson. Et en fait il a des petits triangles, je sais pas si vous verrez, voilà. Là vous voyez bien, il y a des espèces de petits triangles du coup pour la viande. Il montrait ça sur les photos, je me suis dit c'est pratique, ça, adapté au four et au four micro-ondes. Moi comment vous dire que si je peux ne pas utiliser ma gazinière, je suis la femme la plus heureuse de la terre. Du coup clairement j'ai pris ce truc, hein. Dans le même style j'ai pris... Alors ça c'était pas à Jiffy, c'était un autre magasin qui venait d'ouvrir, j'ai oublié le nom. Et c'était pareil, plein de trucs de déstockage, un peu la Stokomanie dans le style. Et il y avait ça. Et là vous dites, il est bizarre ce couteau. Et je me suis dit la même chose. Et là j'ai regardé. Couteau à fromage. Un couteau à fromage. Je vais pas vous le mouton là, je viens de faire mes courses, voilà, pour tout vous dire. Et... sur 25€ de course, je pense honnêtement que je dois bien avoir 7 balles de fromage. Bah ouais, mais moi quand j'ai pas envie de me faire à manger, que j'ai la flemme ou quoi, ben fromage. On n'est jamais déçu par ce combo, ça marche tout le temps, c'est merveilleux, c'est... le fromage toute ma vie. Donc, en tant que très très bonne amatrice de fromage, j'étais obligée de prendre un couteau à fromage. Et puis il était vraiment pas cher, donc... Bon, voilà, hein, j'ai des excuses, s'il vous plaît, hein, s'il vous plaît. Pareil, j'ai trouvé des petits bols. Alors, ils sont un peu asymétriques, vous voyez. Donc, des petits bols, je crois que c'est en bambou, en fibre des bambous. Voilà, et je me suis dit, ça, c'est pour faire les petits apéros, là. Hop, il faut des chips, nanani. Hop, là. Je me suis dit que c'était bien pratique. J'ai... Alors, non, ça, attendez, je vais voir. Je sais plus trop ce qu'il me reste... de Action, de je sais pas Action, etc. Ah oui, ça aussi dans, c'était absolument pas obligatoire, mais j'étais obligée de le prendre. Un minuteur cuisson, mais c'est pas n'importe quel minuteur cuisson. C'est un minuteur cuisson œuf. Voilà, parce que
j'oublie en fait. Moi quand la cuisine c'est trop long, je me casse et je fais cramer des trucs. Hein. On se souviendra de mon premier vlog où j'ai fait cramer des trucs, voilà. Donc j'ai un minuteur spécial œuf donc qui fait à la coque, mollet et dur. Je trouve ça juste génial. Voilà, maintenant j'adore les œufs à la coque, mais encore faut-il que j'ai le coquetier. Il y en avait, je crois, à Jiffy, mais ils étaient pas beaux, du coup je les ai pas pris. Ils étaient chers pour ce que c'était aussi. Change de couleur en fonction de la cuisson, se glisse directement dans l'eau avec les œufs. Ah ouais? Oh, j'avais pas vu que ça se glissait dans l'eau. Si vous voulez, je vous montrerai dans un vlog si ça vous intéresse. Je ne pense pas, mais on sait jamais, sur un malentendu, hein, n'est-ce pas? J'avais encore pris des trucs de cuisine parce que du coup j'en avais profité. Hop, parce que je me suis dit bon, que j'allais déménager dans plusieurs mois. Finalement, c'est pas si un peu plus vite que prévu le déménagement. Mais du coup, il me manque des trucs en cuisine ou il y a des trucs que je vais pas me servir ou j'aurai pas. Genre, typiquement, je pense pas que j'aurai de four. Du coup, je me suis dit, je vais me retrouver avec un pequeña petit four. La moitié des trucs ne passeront pas. Du coup j'ai pris des mini cocottes, voilà, il y en avait de plein de couleurs différentes, elles étaient beaucoup trop choues. Et ce que j'aime bien sur celle-là, c'est que normalement je crois qu'elles passent au micro-ondes, c'est ça. Elles passent au micro-ondes, c'est des petites cocottes qui passent au micro-ondes, en plus a priori c'est fait maison. Ah non merde, c'est sur le paquet, c'est marqué fait maison, c'est pas fait maison. Je suis con. C'était à Jiffy, c'est des mini cocottes en céramique. Et vient la merveilleuse saison de l'hiver. Qui dit hiver dit tartiflette. Le plat tartiflette à deux, ça passe. En tout cas pour nous ça passait. Clairement moi toute seule je pense que j'en ai la semaine. Alors j'adore la tartiflette, mais j'ai pas envie de faire d'overdose de tartiflette. Surtout que bah, le plat il est quand même grand, ça te prend du temps à faire. Alors si je vais te dégoûter de la tartiflette parce qu'il y a trop à faire, non, non. Du coup je me suis pris des mini cocottes et je me suis dit bah, comme ça je remplis les deux cocottes. Ça m'en fera genre un repas et un deuxième. Et boum, on va éviter le gaspillage. Du coup mini cocotte pour la tartiflette. J'ai pris expressément pour la tartiflette. J'espère que je vais m'en servir pour autre chose. Mais du coup, comme elles sont toutes petites, je me dis que c'est pratique. Enfin, moi, je vais être toute seule. Hein. Même si Tweet et Stram sont des chats adorables, elles ne mangent pas comme moi, elles mangent des croquettes. Donc, je me suis dit, ça, ce sera parfait. Chez Jiffy, j'ai aussi trouvé. Alors, je crois que je regarde trop de trucs de déco et tout. Et en ce moment, enfin, la mode depuis un moment, c'est tout ce qui est plantes suspendues, pots suspendues. Du coup, j'ai pris un pot suspendu comme ça. Hop! Alors moi je ne prendrai pas de vraies plantes pour la simple et bonne raison que je les ferai mourir. Et comme je ne veux pas être une meurtrière quand même, hein, j'ai quand même réussi à faire crever une plante grasse. Je vais prendre des fausses plantes à Ikea quand on avait fait la visite avec ma maman. On en avait vu qui étaient vraiment bien faites. Ma mère dit mais non, ça se voit que c'est faux. Je fais maman, tu adores jardiner, tu as la main verte, pour toi c'est logique. Pour une personne comme moi qui n'est pas une fan de plantes, la différence ne se voit pas. Et mes amis ne sont pas des fans de plantes, donc ils n'y verront que du feu. Et je crois qu'on a fait à peu près le tout. Je crois qu'on va passer à du action. Ou alors ces deux trucs là que je vais vous montrer, c'est peut-être pas du action. Non, ça doit pas être du action ça. Ça, bah du coup c'est une carafe, toujours pour mon kéfir. Et ça, j'en ai pris aussi pour mon kéfir, voilà. Parce que c'est des bouteilles, et celle-là je peux la fermer. Et là pour l'instant mon petit kéfir, je vais pas vous mytho, bah, il est dans un verre doseur, voilà, dans mon frigo. Et donc du coup, ben, au bout de 3-4 jours, il est plus très frais. Et bon, vu que c'est des trucs qui vous aident à la digestion, à l'énergie, nanani, nanana, bah j'ai pas envie de me retrouver malade. Donc du coup j'ai pris un truc fermé et ça c'est pour faire ma tambouille. Et si vous voulez c'est en fait une préparation qui demande genre 48 heures de macération en fait à l'air libre. Donc vous mettez un torchon au dessus et vous laissez macérer. Donc du coup j'en avais besoin d'un petit peu plus pour faire des roulements. Donc je pense qu'on va passer à action. À action j'ai trouvé un pot comme ça. Je sais pas, je voulais mettre une plante mais je me... Après réflexion, là je la vois... Je sais pas si je vais réussir à trouver une petite plante, une fausse plante. Peut-être un cactus, ça rentrerait là-dedans. Mais je le trouvais beau. Je me suis dit, tu vois, sur le truc de Jiffy, là, pour mettre mes couettes. Je me dis, hop, tu fous ça dessus avec une plante, une bougie qui sent bon, hop. Les gens, ils arrivent, ils se disent, waouh, tout est rangé, et en plus, ça sent bon. Alors que non, t'auras glandé sur Netflix toute la matinée. N'hésitez pas à faire un appel à moi pour les petits conseils de type feignantise. Je suis là. Alors ça c'est des espèces de coupelles où il y a marqué tea pour la simple et bonne raison qu'en fait vous mettez vos petits sachets de thé dessus. Et en fait moi j'ai tendance, enfin mon bureau là il est à l'étage
Et du coup, quand je prends un thé, ben, généralement, j'ai pas gardé le petit sachet de thé. Et je me retrouve avec mon sachet de thé à pas savoir quoi en faire. Donc là, ça va parce que maintenant j'ai une poubelle. Bah, ça m'arrive très souvent que la poubelle soit remplie ou que j'ai la flemme ou blablabla. Donc je me suis pris des petites coupelles, il y en a deux. Je me suis dit c'est bien pratique. J'ai vu une booktubeuse sur Instagram qui avait ça. Je me suis dit ah oh, c'est trop mignon. Et du coup voilà, j'ai pris parce que oh non. Non, je vous ai pas montré ça. Ça c'était avec mon petit pot suspendu. Normalement c'est dedans. Ça tient comme ça là, je crois. Oui, c'est ça là-dedans. Oh merde, j'arriverai jamais à le refaire. Oh. C'est foutu pour foutu. Non, je crois que c'est bon. Je crois que c'est ça. Ah oui, je crois que c'est ça, je crois que c'est ça. Ouais, mais si les trucs ils sortent aussi, hein. Je me retrouve, ça va se casser. Voilà. En fait, c'était ça. Vous voyez? Et du coup, c'est suspendu et tu fous des petites plantes. Mais je sais pas si je vais réussir à trouver un petit cactus. Et surtout si je vais le suspendre parce que... Ou alors c'est pas moi qui dois le faire. Je vais peut-être demander à des copains. Ce sera plus pratique et moins dangereux. J'ai repris des cadres. Tout simplement parce que dès que je me serais remis du coup de mon déménagement. Hein, que j'aurais vendu ma voiture et en racheté une autre. Donc en gros pas tout de suite. J'ai l'intention en fait de m'acheter plein de petits posters et de faire des murs de cadres. Du coup j'en ai racheté des petits comme ça. J'en avais déjà acheté, vous savez, des espèces de... C'était pas des posters mais c'était vraiment des belles affiches en papier photo chez Action. Donc à côté, enfin avec des citations, des trucs qui passent un peu mieux, qu'on voit un peu plus chez tout le monde. Donc j'aurai un mur un peu, on va dire, propre peut-être pour le salon ou la chambre ou les toilettes. Ou l'entrée, ou je ne sais pas encore où, vu que je ne sais pas où je vais habiter dans un mois. Et j'avais prévu de me faire en fait un autre mur de cadre spécial geek. Alors j'ai trouvé des affiches d'Harry Potter, je voulais mettre du Minecraft, du Pokémon. Il n'y a pas des affiches des Sims, ou alors le prix défie toute concurrence sur le site officiel des Sims, puisque ça part des États-Unis. Et rien que le prix, moi j'ai la larmichette à l'œil qui coule. J'ai trouvé une dessinatrice qui s'appelle Estelle Herry, si vous voulez, c'est le même nom sur son Instagram. Elle fait des choses vraiment très très belles, elle vend sur sa boutique Etsy et elle a des belles affiches un peu, elle fait du Game of Thrones, du Disney, du Harry Potter, et elle a vraiment un style très particulier et très beau je trouve, donc j'ai l'intention de passer une commande chez elle dès que je peux. Et du coup voilà, je vais me faire un mur un peu geekos, hein, un petit peu culture actuelle, hein, des choses qui m'ont moi en tout cas marqué, donc j'ai prévu aussi du Game of Thrones. Et donc il me faut plein d'affiches, il me faut plein de tableaux, sauf que le problème c'est qu'il y a plein de posters ou d'affiches qui sont très très grands. Du coup maintenant il faut que j'en trouve des petits hauts parce que sinon les cadres coûtent super cher, mais vraiment c'est super rush. À part Action, j'arrive à m'en sortir pour pas trop cher. Tous les autres sites de déco en termes de tableaux, mais ils se font un plaisir, mais vraiment monstrueux. Et à Action, vous voyez, vous avez des spéciaux, et honnêtement j'ai dû les payer même pas 1€ ou 1,50€ quoi, mais ils sont beaux, ils sont spéciaux, ils rendent vraiment bien, donc j'avoue je pars toujours chez Action. D'ailleurs il y en a les deux autres qui sont là, dorés et un peu moins bonis. Vous voyez, j'en avais pris des styles très différents, mais enfin moi j'ai un truc très précis en tête. Sur le reste d'Action, j'ai pris aussi une serviette, voilà, hein, de bain pour m'essuyer quand je sors de la douche. Hein, j'espère que ça ne choque personne. J'ai pris aussi des petits ciseaux 3D, voilà, pour les découpes. Parce que ça, c'est vrai que c'est bien pratique en fait quand vous voulez faire des petits trucs, découper des petites choses. C'est bien plus pratique. Oh ma zette! Oh non, ils se sont pliés parce qu'ils étaient au fond. C'est des stickers. Regardez, ils étaient tout beaux. Le truc de Starbucks là, il est spécial Instagrammeuse. Ben il s'est cassé. Oh non, je suis deg. Oh merde. Tant pis. Dans le même style, je me suis pris ça. Vous savez, c'est les... Ah merde, vous voyez pas, je suis deg. C'est des trucs en fait où il y a une petite pastille, vous la cassez et ça diffuse de la chaleur. Et je pense que ça serait très utile dans les périodes de grand froid. Le seul problème, ça, c'est qu'après, il faut le refoutre dans l'eau chaude, je crois. C'est le seul truc chiant. Mais sinon,
c'est bien pratique. Puis il y avait différents petites bestioles, mais moi j'ai préféré le minounours. Mais j'ai hésité avec un autre, mais je me souviens plus la tête qu'il avait. Je crois que c'était un koala. J'ai hésité, mais je suis pas sûre. J'ai pris aussi des trucs en silicone de maquillage. Alors ça c'est pour une vidéo que j'avais prévu de vous faire depuis je pense littéralement un an. Je ne déconne pas. Où je testais des trucs un peu chauds de maquillage. Et finalement la vidéo n'est jamais venue parce que j'avais d'autres idées. Et donc là du coup il faut que je retrouve mon faux beauty blender en silicone. Et je vous testerai du coup les spéciales pinceaux en silicone pour vous dire ce que ça vaut. Voilà, j'avais envie de faire une vidéo crash test un peu comme ça. Sur les soignants, vous avez l'habitude maintenant, ma chaîne, c'est un mélange un peu de tout, hein, n'est-ce pas? Et enfin, le dernier, les nouveaux bullet journal, ou les nouveaux bullet journaux, du coup, j'ai dit les, d'Action. Il y avait un thème très tropical, mais moi, il y en avait déjà plus. Et ça, c'était le second que je préférais, c'était en forme géométrique, il y en a un rose. Et après les autres, je sais que je les aimais pas beaucoup. Et donc il est comme ça. Est-ce que j'ai ma petite paire de ciseaux? Non. Bien sûr que non. Et ça m'énerve parce que tu vois, je me dis, hé, mais c'est pas grave, tu as acheté une paire de ciseaux. Mais regarde, je peux pas. Ah, ça va, ils ont pas mis des trucs super short à couper. Non, parce que ça, les ciseaux, on va m'expliquer, hein. Les ciseaux, pourquoi ils te l'emballent super compliquement et du coup tu ne peux pas débloquer ton ciseau parce que il est bloqué, hein. Il faudrait un autre ciseau pour ouvrir le premier ciseau. Et toi t'en as pas généralement, c'est pour ça que t'achètes un ciseau, pour en avoir au moins un. Et là tu te retrouves bloqué, et assez chiant parce que tu utilises le couteau et tu manques de te couper 3 fois et de te planter 4 fois aussi. Oui, c'est les aléas de la vie, hein. Donc il se présente comme ça. Je vous avoue, je l'ai vu parce que je regarde pas mal de vidéos en fait spéciales Action. Enfin, de haul, Action, papeterie, etc. Parce que j'aime beaucoup, beaucoup ça. Et donc, du coup, je me suis pas trop spoil, j'ai juste regardé un peu les visuels d'extérieur. Et donc, du coup, il y a des idées de pages. Donc, ça, t'es gentil, Bob, j'en aurais pas énormément besoin. Mais du coup, voilà, ils vont vous vendre des petites pages d'exemple. Et après, vous avez surtout un carnet pointillé. Et ça, c'est super cool, quoi. Parce que moi, pour l'instant, ben, j'ai un carnet ligné et c'est un peu pénible, quoi. Alors que pointillé, ça se voit moins, ce sera plus beau, tout simplement. Donc, bon, j'avoue que là, il me reste encore plus la moitié à faire avec celui-ci. Mais j'espère très vite commencer cette belle bête. Elle le mérite. Du coup, voilà, pour mon petit haul Action, Jiffy, un petit peu de Emma. J'espère qu'il vous aura plu, hein. Normalement tout ce que j'ai, enfin les trois quarts des trucs que je vous ai montré, du coup ça date du 8 septembre, donc vous avez encore clairement la possibilité de trouver tout ça en magasin. Moi je vais vous laisser, je vous fais tout ça, tout gros bisous. Je vous dis à une prochaine fois, hein. Je pense que le prochain haul va mettre un peu de temps à arriver et ce sera soit de la déco soit des Lego. Parce que j'ai très envie de lancer ma série Lego et il me manque énormément de trucs pour faire ce que j'ai en tête. Donc je pense que les prochaines vidéos seront sans doute de la déco et des jouets. Tout à fait moi, quoi. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à toutes de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Moi je vous aime tous très fort. Ciao, ciao.